Bonjour les enfants spectateurs mais aussi acteurs, bienvenue au petit théâtre de Pouhancé où s'est installée la Pépinière qui propose des ateliers théâtre tout au long de l'année. La Pépinière est animée par des comédiens et des formateurs professionnels. L'enfant développe son imaginaire, apprend à maîtriser son corps, sa voix et ses émotions. En fait, le petit théâtre à Pouhancé, c'est vraiment un lieu extraordinaire, un des plus beaux lieux qui est certainement au Pays de Loire. C'est un théâtre à l'italienne et qui a été animé très longtemps par, je pense au début, plusieurs troupes de théâtre, dont principalement les Baladins de la Verzée. Et depuis qu'il y a Eyoka, qu'il y a notre compagnie, qu'il y a les Baladins de la Verzée, toujours évidemment, le théâtre maintenant est débordé d'activités, enfin déborde d'activités. La municipalité, voyant ce travail-là, voyant la maison d'accueil pour les troupes en résidence, qui est juste attenante, qui est l'ancienne mairie de Pouhancé, où on a notre bureau, a créé un hall d'accueil qui relie les deux entités, c'est-à-dire le théâtre et la maison d'accueil et notre bureau de la compagnie. Et donc c'est un lieu de création permanente, puisqu'il y a des troupes toute l'année qui viennent en création. Alors la Pépinière, c'était créé il y a 7-8 ans par la compagnie, c'était d'offrir un travail d'accompagnement professionnel à des enfants, puisqu'on habite là, puisqu'on est compagnie en résidence, comment on peut offrir notre savoir aux enfants qui habitent Pouhancé, j'espère dans le canton plus loin. L'idée de Patrick Cosnet, c'était de faire une éducation des enfants. D'où la Pépinière. D'où la Pépinière, d'où le nom de la Pépinière. Et puis l'idée aussi, c'est de les amener voir des spectacles avec nos moyens et aussi de rencontrer d'autres compagnies qui sont en résidence au petit théâtre. Aujourd'hui, ils vont découvrir quoi là ? Les frères Stakanovitch. C'est une initiation, des ateliers en fait, on découvre un peu la voix, l'espace, le corps, surtout pour les tout petits. Et puis on apprend à s'exprimer, à imaginer aussi, et puis à raconter des histoires, surtout l'imaginaire, j'essaye de développer l'imaginaire. Et le travail de groupe aussi, ça c'est très important pour moi, que tout le monde joue en même temps, enfin le plus souvent sur scène. C'est pour ça que je m'applique à écrire les pièces de théâtre, parce que je trouve que c'est important que les enfants aient le contact avec le public. Qu'est-ce que ça donne de travailler le théâtre? Qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Eh bien d'abord de prendre conscience de son corps, de son attitude, comment on est par rapport à l'autre. Est-ce qu'on accueille l'autre? Est-ce qu'on est agressif? Est-ce qu'on s'affirme aussi par rapport à l'autre? On dit souvent dans le théâtre, vous valez autant que tous les autres êtres humains de cette terre. Vous avez autant de valeur. Donc surtout, posez-vous respectueusement, mais posez-vous face à l'autre. Et on apprend ça au théâtre, et aussi à se respecter soi-même. Les ateliers ont lieu le mercredi et pendant les vacances scolaires. Pour tout renseignement sur la Pépinière de Pouhancé, contactez la compagnie Patrick Cosnet.